Bon, les astros, ben, ça commence à faire quand même pas mal de pièces, hein, regarde-moi tout ça. Donc là, ici, vous avez quasiment tout le bas du stroc de fées. Donc, ben, j'ai imprimé les quatre parties de la caisse. Donc, une pièce comme celle-ci, c'est 14 heures d'impression, hein. Donc, vous imaginez, là, il y a quand même pas mal d'heures d'impression au niveau de l'imprimante. Donc, elle turbine beaucoup. Donc ça prend beaucoup 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 de temps, hein, tant plus que je peux pas imprimer quand je suis pas là parce que je préfère surveiller quand même l'impression. Alors ici j'ai les anses qui vont permettre donc de le basculement en altitude. Vous avez ici les rails qui vont permettre donc de faire coulisser cette partie là. Hein. Donc vous avez ici les deux panneaux et ici deux panneaux qui vont permettre de faire les volets, donc, puisque la caisse se ferme avec des volets. Vous avez au centre ici le porte-miroir, donc le support de miroir avec ici les petites pièces qui vont permettre eh bien, de fixer le miroir. Donc, le miroir se pose dessus. Vous avez ici quatre rails qui vont permettre au stroke de coulisser au niveau de l'azimut. Vous avez ici le porte-oculaire. Voilà, donc, et puis ici le support de contrepoids. Vous avez les petites charnières. Ici vous avez des petites. Voilà, ce sont des petites cales qui vont permettre au stroke de pas de bien se caler. Voilà, donc j'ai hâte de terminer le stroc. Alors toutes ces pièces-là sont faites en PLA. Alors je sais que c'est pas la meilleure matière pour ce genre de choses, tout simplement parce que bon, on m'a bien conseillé. Hein. J'ai eu pas mal de retours de votre part, de gens qui sont un petit peu plus confirmés que moi en impression 3D. Donc c'est peut-être mon erreur. J'ai fait ça en PLA. J'aurais dû le faire soit en ABS, soit en PETG, et beaucoup de personnes m'ont conseillé le PETG. Tout simplement parce que le PLA, c'est une matière qui est très 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 dure, mais qui est cassante, qui ne supporte pas la pression. Donc quand je vais visser par exemple ici mes petites pièces, avec si je mets trop de pression, ça risque de, paf, de péter. Donc ça, c'est ce qui me fait un peu peur. Bon, sinon bah, je réimprimerai tout en PETG. Donc le PETG c'est une matière qui est résistante, qui est aussi facile à imprimer, m'a-t-on dit, ou quasiment presque aussi facile à imprimer que le PLA, parce que le PLA c'est quand même facile à imprimer. Et par contre qui est beaucoup plus souple, qui permet donc de faire des pressions un petit peu plus mécaniques et ça va pas casser. Hein. Voilà. Donc on verra à l'usage, mais je pense que je vais peut-être le réimprimer, en tout cas pour moi, en PETG, un jour. Hein, voilà. Ou alors, s'il y a des pièces qui cassent, ben, je les remplace au fur et à mesure par des pièces en PETG, et au final, voilà. Allez, c'est fini les astros pour aujourd'hui, et puis on se retrouve. Donc la prochaine fois, je pense que j'aurai terminé toutes les pièces du haut, et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, donc je sais pas quand, hein, ça va prendre du temps, pour le montage complet du stroc. Voilà. Allez, ciao, bye!